Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis le pasteur Trésor, donc je souhaitais aujourd'hui encore passer du temps avec vous et continuer sur le passage que nous avons travaillé la dernière fois, à savoir Matthieu chapitre 10 au verset 16 qui dit ceci « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents comme le serpent et simples comme une colombe. » Soyez donc prudents comme le serpent et simple comme une colombe. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre les temps difficiles actuellement. Le christianisme est en train de subir un choc véritable en matière de sa culture et aussi par rapport à la continuité des messages que nous avons reçus des apôtres pour le fondement de l'Église. Bien-aimés, nous vivons les temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir éveiller les consciences de chaque personne à savoir chercher réellement de quelle manière travailler sur l'avancement de la connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ dit « Soyez prudents comme le serpent ». Cela veut dire qu'il faut faire attention là où on va. La fois passée, nous avons partagé sur le message où nous avons parlé de la prudence, de l'attention et du discernement. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité pour soutenir ce que nous avons dit. Et pour cela, nous allons partager sur le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 2, qui dit ceci. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Bien-aimés, il est très important de savoir comprendre le langage et le contexte qui est utilisé pour savoir quel était le message que l'apôtre Paul essayait de véhiculer. Le premier mot, c'est « prenez garde au chien ». Le chien, dans la Bible, symbolise le paganisme. Le chien symbolise tout ce qui réfute la croyance de Dieu, tout ce qui rejette la croyance de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons quelque part un exemple du Christ qui va parler à une femme qui était païenne, qui lui dira qu'il ne serait pas sage de donner le pain des enfants aux petits chiens. Bien-aimé, le paganisme a pris l'ampleur. La société actuelle où nous vivons, le paganisme a pris l'ampleur dans tous ses états. Alors, pour nous qui sommes des chrétiens, nous avons un seul objectif, de savoir où est-ce que nous mettons les pas. La dernière fois, nous avons partagé, nous avons dit ceci, qu'il fallait faire attention à qui on se confiait et à qui on allait rencontrer pour pouvoir dire ses problèmes. Aujourd'hui, le fait de prier, ça a empêché beaucoup de personnes, en tout cas, à avoir cette sagesse de savoir où aller et avec qui discuter, avec qui parler. C'est très dangereux, bien-aimé. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux païens. Prenez garde aux païens. Mais ici, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, il ne parlait pas simplement des païens, mais il parlait des faux chrétiens, mais qui se servent simplement de l'étiquette pour apporter la destruction au milieu du peuple de Dieu. La deuxième des choses, on voit, il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Et là, ça apporte un peu plus d'éclaircissement. Donc, on comprend que dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, tous les ouvriers ne sont pas les ouvriers de Dieu. Il y a des ouvriers qui ne sont là que pour leur propre intérêt. Ils viennent rechercher les besoins de leur cœur. Ils viennent rechercher de l'argent. C'est un business pour eux. Et à ce moment-là, si vous tombez sur la main des faux ouvriers,
Vous allez beaucoup souffrir, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, ça ne sert à rien de circuler dans plusieurs endroits pour chercher là où tu vas trouver la stabilité. Vous savez, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, comme je vous l'avais déjà dit précédemment. Le Saint-Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous soutient là où nous sommes incapables d'agir, là où nous sommes incapables de trouver des solutions. Et le Saint-Esprit parle réellement à notre cœur et nous dirige toujours vers la voie de Dieu. Pour aider une personne, j'aimerais dire, le Saint-Esprit travaille beaucoup avec la voie de la conscience. La voie de la conscience, c'est cette voie qui t'amène à suivre le bon chemin. Parce que la conscience, c'est lorsque tu fais quelque chose avec connaissance. L'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu vas travailler, l'endroit où tu vas chercher Dieu, si cet endroit-là est convenable, quand tu vas observer, tu vas discerner, tu comprendras que non. Là, il y a des personnes qui sont sérieuses. Là, il y a des hommes, là, il y a des femmes qui se sont réellement donnés à Dieu et qui sont en train de chercher vraiment à véhiculer ce message pour aider et pour soutenir les personnes pour qu'ils puissent s'épanouir. Bien-aimés, la prudence est très importante dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Prier, c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut discerner avec qui travailler, à qui se confier, bien-aimés. Le discernement nous aide à comprendre dans quelle situation on se trouve. Et parmi les dons spirituels même que Dieu donne, il y a le don du discernement, bien-aimé. Le discernement, même dans le monde, il y a des personnes qui travaillent dessus. Ils sont en train de faire un travail pour savoir que quand une personne réagit de telle ou de telle manière, ce geste-là veut dire qu'il ment, ce geste-là veut dire ça. Quand vous regardez par exemple la police scientifique, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ont étudié de la psychologie et ont étudié les faits et gestes de chaque personne pour savoir si cette personne est en train de mentir, si cette personne est dans la vérité ou si cette personne est dans le mensonge. Ce sont des choses qui peuvent se travailler. Ici, bien aimé, j'aimerais attirer l'attention d'une personne en disant « Il faut faire attention là où tu vas, il faut faire attention à qui tu vas te confier. » La prudence, ce n'est pas simplement par rapport à l'église ou par rapport aux personnes que nous fréquentons dans les églises, mais la prudence, c'est aussi dans ta propre famille. Toi qui as l'habitude d'ouvrir ta bouche et de parler sans faire attention, sans crier égard par rapport à la situation qui t'entoure, toi qui passes toujours ton temps à parler de tout ce qui te concerne sans même poser la question à Dieu, ni avoir le temps dans la méditation pour chercher la face de Dieu, pour savoir s'il est réellement temps de parler de ce que tu veux parler ou pas, bien-aimé, je t'invite et j'insiste à avoir la prudence. Le fait d'être dans un endroit où on a des personnes qui nous apprécient n'est pas mauvais, mais il faut connaître le fond du cœur qu'il y a dans les hommes. Or, il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. Si toi, tu ne sais pas sonder les cœurs et les reins, alors vaut mieux se confier à Dieu et demander au Seigneur de pouvoir toucher ton cœur et d'apporter quelque chose en plus par rapport à la connaissance du milieu dans lequel tu te trouves. Il ne suffit pas d'être un membre de la famille, il ne suffit pas d'être un ami, il ne suffit pas d'être un serviteur de Dieu pour être un homme vrai et authentique. Alléluia. Jésus dit, soyez prudents comme le serpent et simples comme une colombe, ou je devrais dire candide comme une colombe. Bien-aimés, le monde dans lequel on vit, il y a trop de combats, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment être dans la réflexion. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être dans la réflexion. Nous devons réfléchir de quelle manière nous allons diriger nos pas, nous allons diriger notre vie. Mais même dans la réflexion, il faut quand même faire attention. Il faut observer. Et j'insiste encore aujourd'hui, il faut observer. Alors, toujours dans la Bible, le livre de Proverbes chapitre 22 au verset 3 nous dit ceci. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais le simple se cache, avance et sont punis. Quand tu es prudent, tu ne joues pas le gangster. J'aimerais parler aux personnes qui sont des pseudo-chrétiens, qui ont cette désir,
cette ardeur de dire, moi, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. C'est pas simple de dire simplement, je ne ferai pas ça. Parce que même lorsque tu es chrétien, tu as foi en Dieu, il y a des principes que Dieu a mis en place qu'on doit respecter. Par exemple, la Bible nous dit que fouiller l'impudicité, si Dieu dit fouiller l'impudicité parmi les versets les plus courts, pourquoi toi tu vas chercher à montrer que tu es au-dessus? Non. Quand tu sens que tu n'as pas la capacité de gérer une situation, il vaut mieux pour toi de t'écarter. Alléluia. Il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Donc, quand tu vois qu'il y a un endroit qui n'est pas favorable par rapport à toi, pourquoi est-ce que tu vas forcer à aller dans cet endroit? Hein? Vraiment, je viens demander à une personne de comprendre l'importance de faire attention là où on va. Pourquoi se laisser guider, être dans un endroit qui ne t'est pas favorable? Tu connais tes faiblesses, tu sais là où tu n'es pas fort, tu sais que tu es faible, tu sais que tu passes ton temps à courir derrière les femmes, ou bien t'aimes beaucoup les femmes, ou bien tu sais que t'aimes beaucoup les hommes. Mais abstiens-toi d'être dans des endroits qui vont t'attirer des ennuis. Pourquoi toujours chercher à se mettre dans des situations auxquelles tu ne pourras pas gérer, par exemple? Alléluia. Il est très important de faire attention à la manière dont nous sommes en train de nous y prendre dans ces derniers temps. Bien-aimé, le diable, lui, ne va pas nous ménager. Le diable, quand il s'agira de nous attaquer, il va nous attaquer. Alléluia. Je retourne à ce que je disais. Dans Philippiens, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Alléluia. Il faut faire attention. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, je suis simplement en train d'encourager quelqu'un, de pousser vraiment quelqu'un à aller dans la réflexion, à réfléchir sur les décisions à prendre. Ne pas faire les choses n'importe comment. Prendre toujours le temps de réfléchir et de bien faire les choses. Mon frère, ma sœur, tu es béni, toi qui as reçu ce message, que la parole de Dieu pénètre au plus profond de ton cœur et suscite en toi un désir ardent de devenir une personne meilleure, mais aussi de ne pas oublier le conseil de la prudence. Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme le serpent et simples comme une colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez plus balloter de gauche à droite, mais laissez-vous plutôt guider par le Saint-Esprit qui vous fortifie et qui vous donne la capacité de discerner et de savoir ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est agréable à Dieu. Amen. En tout cas, bien-aimés, j'aimerais vous dire, soyez bénis et je vous encourage pour ces jours. Que le début de cette année 2022 vous soit bénéfique et que chacun de nous puisse prospérer avec le Christ en ayant la joie de marcher dans la sincérité, dans la vérité et surtout à grandir chaque jour à la connaissance de la parole et à être éclairé par sa lumière. Car le Christ dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous terminons ici et nous vous bénissons, que la parole de Dieu s'imprègne de vous et que chacun de vous puisse trouver sa voie en étant sincère envers soi-même. Car le véritable problème que les chrétiens rencontrent aujourd'hui, c'est cette manque d'originalité et cette manque d'avoir un lien véritable avec le Père qui leur différencie d'avec les autres. Car même si nous avons tous été créés par ce même Dieu, mais chacun a une particularité et sa relation doit être personnelle avec le Père. Soyez prudents comme le serpent et simples comme une colombe. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton cœur. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il
bénisse ta santé. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse ton travail. Qu'il bénisse ta vie spirituelle. Qu'il bénisse tes finances. Qu'il bénisse tes vœux. Qu'il bénisse tous tes projets. Grâce à Dieu, choisis ceux que tu veux bénir ce jour et envoie-leur ce message.